Bonsoir à tous, 18h tout pile, merci d'être là comme chaque jeudi soir pour votre débriefing de l'actualité high-tech. Comme chaque jeudi soir, c'est 0 à la Vibdo sur 01net TV. Bonsoir à tous et bonsoir Jérôme. Salut François, bonsoir vous qui êtes fan de techno et qui êtes au rendez-vous chaque jeudi soir de 18 h à 18h30, oui parce que vous étiez peut-être avec nous hier soir pour suivre la grande keynote de Google. Mais si même si vous n'étiez pas là, et bien écoutez, on va vous faire un petit résumé. Et puis surtout, nous avons avec nous Raphaël Grabli qui a pris en main les fameux smartphones Pixel. Son retour dans un instant. Voilà, ces Pixel qui ne sortiront pas en France, rappelons-le, mais on va en parler. <laughs> on va parler d'automobile tout à l'heure aussi. Euh, Jérôme Colomba a testé... Non, il n'a pas testé. Pas il n'est pas vraiment nous testé malheureusement. Il va nous parler de ce beau véhicule. C'est la nouvelle Nissan Leaf. C'est la Nissan Leaf 2. Ouais, euh, elle est bourrée de techno. Eh bien, vous gros focus sur cette voiture dans un instant. Et puis, on restera dans le monde des voitures connectées avec le prix de la voiture connectée, zeronet.com, tout à l'heure, avec David Noguera. Euh, C'est un grand rendez-vous que nous vous préparons pour la fin octobre. Mais d'ores et déjà, on va tout vous dire. Comme chaque semaine, dans Zéro Live Hebdo, on retrouvera nos amis euh, du labo, en tout cas les, 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 les des focus sur des produits euh, qui seront prochainement en test au labo. Et en l'occurrence, le robot Kicker qui vient de sortir. Qu'est-ce que c'est que ça C'est un vidéoprojecteur euh, qui peut circuler tout seul dans la maison. Ça, c'est bien ça. C'est étonnant. Ouais. Ouais. C'est français. En plus. Ouais, ouais. Et puis, on parlera également de mobilité avec une trottinette électrique qui a dégoté pour nous et qui a testé Christopher Siminelli. C'est un spécialiste de la trottinette. Avec un bon rapport qualité-prix, visiblement. Hein oui, ouais, super. Bon, bah en plus, elle est belle. C'est le zéro à la vidéo de ce jeudi soir avec un sommaire bien chargé. On est ravis d'être là. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Mais avant cela, comme d'habitude François, la question 01Net Orange du jour. Êtes-vous déçu que les smartphones Pixel 2 ne sortent pas en France parce qu'on l'a appris hier. Eh bien, a priori, ils n'arriveront pas chez nous. Alors, dites-nous ce que vous en pensez. Attends, oui, moi, je vais voter ou non. tout de oui, suite. Bah, déjà. Toi, toi, je sais que tu es très énervé depuis hier. Il est dans un état pas possible. Ah, pas hier, dormi, il nous a fait hein. une petite crise. Si ah, vous ben étiez oui. avec nous, euh, vous avez sans doute assisté à hein, la crise de nerfs de François Sorel, puisque les pixels n'arriveront pas en France. Tu t'es calmé, ça va mieux. De verveine et tout ça. Ouais. Tu as ah, ah, oui, digéré voir le replay. Bon. Hein. pour voter. Dites-nous si ça vous énerve vous aussi. On compte sur vous. Évidemment on est en direct. Il est 18h03. Vous pouvez nous retrouver sur la page YouTube, mais aussi sur zéro tv.com, sur Facebook Live et via le hashtag 0.1 Live sur Twitter, vous pouvez nous laisser vos messages. Bien évidemment, si vous voulez réagir à tous les sujets qu'on va évoquer maintenant. Et donc on va revenir tout de suite sur cette conférence made by Google qui s'est déroulée aux USA. Alors, Raphaël Grabier, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Raphaël. Tu n'étais pas aux USA Je pas du tout aux USA. <laughs> mais tu étais à Londres. <laughs> mais j'étais à la conférence qu'on appelle un événement déporté, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un événement pour suivre l'événement. C'est beau. Et ouais, Alors voilà, sorti, donc hein. en fait, sur le papier, je voyais ce qui se passait à l'écran, mais l'avantage que j'avais, c'est évidemment que j'avais derrière les produits. Euh, que j'ai voulu prendre en main. Les ouais. vrais, ce qu'on ne verra jamais. Il ouais. enfin, pas fait, pour le moment. En tout y cas. Un, un hein. Il y a eu quand même un déballage. Il eu, Ils ont annoncé plein de projets. Ouais, ils ont annoncé pas a... mal de ah, choses. C'était euh, 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 ouais, euh, intéressant. Il y a beaucoup de produits. Ça un peu, je trouve que ça a mis un peu de temps à démarrer. Au début, ils ont parlé euh, d'intelligence artificielle. De... Ils sont revenus un peu trop longuement sur tous les produits qu'ils avaient fait l'année dernière. Bon, on ouais. avait quand même envie de voir ce qu'il y avait cette année. Euh, évidemment, bon, il y a le surface. Euh, le surface. Le Pixel <laughs> c'est le, voilà le décalage avec, avec Londres. Il y a une heure, hein, quand même. <laughs> c'est énorme, c'est énorme, violent. Francher, ouais. Ou alors c'est le lapsus. Pour peu... moi, c'est pour moi c'est ouais. l'heure du goûter, donc je suis pas encore calé pour ça. <laughs> euh, donc il y a eu le le, le Pixel Book qui est, euh, qui est un très joli appareil que j'ai pu tester aussi. Euh, bon, qui est évidemment sous Chrome OS, euh, assez accessible, qui ne sortira pas en France. Il y a eu les Pixel 2 et Pixel XL. Ça dit, Je comprends pourquoi tu parles de surface, hein, parce qu'il a un petit air oui, de surface. Ça ressemble un petit peu. C'est un peu le lapsus. Non, mais euh... c'est ça. Je pense ouais, que ouais. tout le monde s'est dit que ça ressemblait un petit peu au surface. Bien il sûr. est très joli, il est hyper léger, il est très fin. Mmh. C'est vraiment un super produit qu'on n'aura pas du tout en France. Ouais. Voilà. Il est tellement euh... fin. La Chrome OS à l'intérieur. Exactement. 10, <laughs> voilà, en fait. c'est pour ça. Il n'était pas assez épais pour avoir Windows. Voilà, dit Windows 10 S peut-être, mais <laughs> pas Windows. Donc pas un vrai système d'exploitation, on va dire. Mais non, non, mais c'est vraiment un très joli produit. Alors des smartphones aussi. smartphones les pixels. Ce sont euh, des produits vraiment très intéressants euh, qu'on n'aura pas du tout en France non plus. Euh, le Google Home Max, qui est un super Google Home, Google Home pardon, euh, avec un super son euh, qu'on n'aura pas du tout en France <laughs> non plus. Il y a eu les, les haut-parleurs. Alors Donc, moi, j'ai adoré ces produits, les haut-parleurs, euh, les, haut les, 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 les écouteurs, qui peuvent traduire, c'est-à-dire que tu parles et ton smartphone, il affiche la traduction en temps réel. Alors ça, je trouve c'est un produit qui est... Il y a pas mal de fabricants qui ont essayé de faire ça, mais mmh. Google a vraiment la techno pour le faire. C'est-à-dire que tu pars en Chine, tu vas parler en français et ça va te traduire en mandarin, en cantonais en temps réel, ça c'est le produit. également voilà donc c'est un super produit donc qu'on n'aura pas du tout euh, en france <laughs> pourtant le français dans les il y a le français mais c'est pas grave c'est pour les <laughs> pour les belges voilà je sais les a aperçus euh, voilà Et alors sinon il ya un produit alors il ya une caméra très sympa qui s'appelle oui. clip aussi la google clip. Euh, qui est vraiment va enregistrer toute seule etc <laughs> un produit très intéressant bah, qu'on n'aura pas non plus <laughs> en France euh, voilà alors sinon il ya un petit un petit chromecast voilà, on la, voit, euh... la, la google clip là hein. c'est la, la petite vite la petite caméra qui voilà qui est ici qu'on peut clipper à voilà. peu près, près partout donc euh, vraiment euh, plein de super produits Donc Qui pour se nous. télécommande depuis le smartphone c'est ça exactement oui. donc euh, voilà bah euh, tu si l'as vu hier euh, Tu as pu la toucher euh, la, Oui, mais, mais alors c'était un peu limité pour filmer. Il n'y avait pas grand-chose. Euh, J'ai pu tester quand même, bon, évidemment, euh, les pixels. Alors, on, on va quand même parler de ce qu'on aura en France. Il y a quand même deux petites choses. Euh, le Daydream View, euh, la nouvelle version, euh, qui est comme l'ancienne. Donc, enfin, le, le masque de le réalité. Masque un, un peu plus confortable etc. Il y a une petite euh, lanière euh, euh, au-dessus du crâne. Enfin voilà. Voilà. Et rappelons que dans ce masque, il faut rajouter le téléphone. Hein. Ah oui, euh, non, non, c'est une coquille vide. C'est euh, un truc... Euh, euh, voilà. voilà, alors ça fonctionne un carbone, par, par, mais un par peu... contre, il est compatible avec beaucoup de smartphones. Heureusement, puisque s'il était compatible avec les ça aurait été embêtant. Mais voilà, peut-être qu'il l'aurait sorti quand même, je oui, sais pas, mais pourquoi pas. pourquoi pas. Ils sont pas à une euh, décision incompréhensible près. Et après, par contre, il y a le Chromecast mini. Alors là, par contre, euh, le Chromecast... Oh, le, le Home Google Mini, Google désolé, Home. Mais je suis un peu euh, entre les En produits. fait, il, il a fait trois confs les unes après les autres, ça. il mélange, mélange tout, tout, tout ce soir, Raphaël. <laughs> euh, le, le Google Home Mini, et là par contre, c'est un produit euh, qui m'a beaucoup plu. En fait, il fait à peu près tout ce que fait le Google Home, sauf qu'il sera vendu euh, 59 euros, donc je trouve que c'est un tarif qui est vraiment euh, accessible. Mm. Soit pour découvrir, soit pour euh, découvrir, Google Home, euh, soit pour en mettre plusieurs, chez soi. Mm -hmm. euh, je l'ai bon, le son n'est est pas, est pas mauvais, il répond bien, évidemment. Enfin, c'est les mêmes fonctions Google Home. Euh, moi, c'est vraiment le produit que j'ai bien aimé. Mm -hmm. euh, voilà, donc ai Ça évidemment... tombe bien, c'est le seul qui sera disponible. En France. Le seul... Non, j'ai oui, ai aimé les pixels aussi, mais on va dire dans mon coup de gueule contre Google, justement, euh, mon coup de cœur, c'est quand même ce petit... ce petit Google Home Mini <laughs> euh, qui est quand même euh, un, un produit... Euh, J'attendais abordable attendait tellement un chromecast de nouvelle génération non, fait, été euh, oui, que ça fait tellement tellement oui c'est ça je voulais un chromecast ça, 8k j'attendais un chromecast 8k ouais. c'est ouais, ça, ça. <laughs> mais ils n'ont pas eu, ils ont pas fait malheureusement euh, voilà après effectivement non mais les gros produits ça reste les pixels alors les évidemment. pixels donc les pixels tu les as un peu essayés tu as un peu essayé euh... d'ailleurs on s'est parlé hein, hier dans le voilà, live mais euh... j'ai pu vous avoir en, en direct pour vous montrer mm -hmm. un petit peu euh, les fonctionnalités en fait, c'est un peu un espèce de pot pourri, mais au sens propre. Mmh. Pas du tout. C'est pas du tout péjoratif, un melting pot, ou une espèce de best-of. De medley. De medley, de best-of de toutes les fonctions qui nous ont plu en fait, sur le marché, euh, notamment d'Android. Mais en fait, en mieux à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a... Alors, on le voit à l'écran. Il y a le Always On de Samsung, ouais. qui est une fonction que je trouve qui est devenue indispensable. J'ai utilisé le S8 pendant plusieurs mois et c'est devenu une fonction indispensable. Donc l'heure en fait, qui reste allumée. L'heure qui temps. reste allumée, c'est tout bête. Euh, grâce à, à la molette, en fait, c'est possible parce que du coup, ça consomme pas trop de batterie. Mmh. Euh, ça, c'est une fonction qui est super que je trouve que je suis très content de voir arriver chez Google. Euh, il y a le, qu'est-ce qu'il y a Alors il y a en fonction euh, accessoire mais intéressante. Il y a le fameux Squeeze d'HTC, euh, mais alors qui était qui n'est pas franchement révolutionnaire, sauf que sur le Pixel, ça fonctionne bien, je la trouve plus intuitive euh, que chez HTC, avec un petit retour aptique en fait, qui fait que c'est plus simple. Et Alors ça, c'est pour lancer Alors, Google Assistant. En fait. Rappelle-nous donc, c'est-à-dire, on presse. Ah, en le... fait, quand tu as le smartphone dans la main, ouais. tu presses simplement sur les côtés. D'accord. Voilà, donc, comme, donc, si, comme, ça, voilà comme un citron, donc. quoi, squeeze. Et euh, okay. donc tu comme si tu pressais un citron. Et euh, donc tu as un petit retour. Et tu démarques ouais. Google Assistant. Donc en fait ça remplace... Si tu le tords, il fait du jeu. Alors si tu le tords, il n'est pas content. Ah ouais, et euh, expose. il explose. Voilà. Et, bon. euh, et donc euh, ça remplace, on va dire, un peu le bouton Bixby euh, du, du S8 et du, euh, du Note ouais. 8. Euh, après au niveau du son, il y a aussi ce qu'on peut retrouver de chez HTC, ce qui, qui fabrique hein, d'ailleurs le, le Pixel 2, hein, avec deux barres de son à l'avant. Euh, alors pour le Pixel 2, sinon le, bon, le design est assez classique, hein. il ressemble franchement au design de, bah de oui. l'année dernière. Mm -hmm. Et c'est le Pixel 2 XL qui va avoir lui un écran, euh, pas bord à bord, mais on va dire au format 18-9ème. Donc là, euh, on va dire que ça emprunte un peu à ce que font évidemment Samsung et LG avec le G6 et surtout avec le V30. Mmh. Et c'est pas par hasard puisque c'est LG ouais. qui fabrique le Pixel 2 XL. Donc c'est un espèce, voilà, ça reprend tout. Et je crois et, que tu as bien aimé l'appareil photo. Et alors justement, parce voilà, qu'ils ont que, beaucoup insisté là-dessus. Et, et ils ont raison parce que euh, ça reprend même de chez, voilà, des fonctions de chez Apple euh, avec notamment le mode portrait. Et alors j'étais vraiment bluffé, parce qu'on était dans, dans une salle en fait, un peu dans la pénombre, ils ont fait une ambiance un peu style boîte de nuit, etc. Mmh. Donc il n'y avait pas beaucoup de, de lumière. Et ils nous disent, voilà, nous, on va, on va vous faire un mode portrait. Alors, ce n'est pas l'effet resserré qui peut pas avoir une seconde focale, c'est-à-dire avec un second capteur. Mm -hmm. Mais eux, ils misent vraiment uniquement sur le mode portrait euh, avec l'effet bokeh, donc le flou, le, le flou d'arrière-plan. Ouais. Donc, c'est le même angle que le grand angle classique, c'est le même capteur. mais y a Ça ne change flou pas le cadrage. Quoi. Ça ne change pas du tout le cadrage. Et ils ont dit, nous, avec un seul capteur, on arrive à vous faire euh, un flou d'arrière-plan. Et, euh, bah et ils arrivent, et ils y arrivent mais ils y arrivent ah oui. euh, très bien. C'est-à-dire, j'ai testé donc en basse lumière, euh, c'était impressionnant. Mais c'est incroyable ça de t'entendre dire ça parce que ça veut dire que tout ce qu'on a entendu chez Huawei, Apple, oui, parce que l'idée euh, avec euh, deux capteurs, voilà, finalement c'est quoi C'est le bullshit, bullshit. Euh, qui est répété par tous les fabricants, c'est de dire nous, notre second capteur, il sert avoir des effets mais surtout à mesurer d'un autre endroit en fait le mm -hmm. la, comment dire, la profondeur de champ ouais. pour pouvoir mieux séparer l'arrière-plan et le premier plan et en fait euh, google avec un seul capteur le fait très bien mm -hmm. avec ses algos ça, ça fonctionne Uniquement parfaitement en, en et honnêtement sur ce que j'ai vu en basse lumière c'était mieux que ce que j'ai vu sur la sur l'iPhone euh, mieux que ce que j'ai vu chez OnePlus mieux que ce que j'ai vu partout ailleurs alors il faudra évidemment le tester s'il arrive en France voilà plus en profondeur mais euh, j'étais impressionné et d'ailleurs, par la qualité photo en basse lumière. J'ai pris une photo et j'avais le S8 avec moi qui n'est pas le pire dans, oui, dans le oui, domaine quand peut même. Peut Alors peut le, peut le G6, G6 les HTCU11 sont excellents. Oui. Le S8 est très bon aussi. Euh, c'est euh, voilà, il se fait, il se fait bouffer en fait. Il s'est fait bouffer par le ouais. par le Pixel 2. D'ailleurs, euh, annoncent... visiblement, il y aurait une vraie, une réelle avancée Visiblement, alors les pixels étaient, étaient déjà très très ouais, bons oui, en photo. Et là, ils ont dit euh, Google a annoncé un score record chez DxO. Vous savez, c'est le, oui, oui, oui. le laboratoire oui, qui donne des scores oui. en photo. Et ben, je crois que je crois que là-dessus, ils se vantent, mais ils peuvent se le permettre. En tout cas, dans les voilà les, mes premières impressions. C'est vraiment impressionnant, je crois que c'est juste un, un photophone de dingue. Alors voilà, c'est un, un premier avis, hein, il faudra le tester plus en profondeur. Bien sûr. Mais euh, j'étais bluffé. Parfait. Bon, bah super. Bon, bah très, très bien. bien. Donc, voilà pour euh, les annonces Google d'hier. On rappelle qu'on ne pourra donc pas l'utiliser, le tester, ni s'en servir. Alors le tester peut-être, mais en tout cas, pas l'acheter. Le hein. tester, oui. Alors quand même, euh, il, sort, euh, il sort en Allemagne, il sort en Espagne, en il Italie. sort en Italie. Ah, mais partout sauf chez voilà, nous. Voilà, il est compatible. Euh, il y a parfois, il y a des histoires de fréquences. Mmh. Là, il est compatible avec toutes nos fréquences. Donc si vous êtes motivé, ben, vous pouvez l'acheter. Vous pouvez l'acheter dans un autre pays. Ailleurs. Ouais. Mm -hmm. On ne sait pas du tout pourquoi il ne sort pas. Non, j'ai demandé, demandé aux représentants de Google. Ils me disent non, il n'y a aucune raison. Il n'est juste pas disponible en France. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de problème technique. Mm -hmm. On avait parlé de la e-sim. Non, il y a aussi une sim classique. Euh, non, il n'y a aucune raison technique. C'est une raison euh, stratégique. Et j'arrive pas à comprendre. Et c'est euh, un c'est un petit peu énervant quoi parce que ouais, bah, euh, moi l'impression d'être un, peu un pour petit nous. peu plus qu'énervant. Ouais, ouais. ouais. moi voilà. j'ai demandé à Apple aussi, ah, pardon oui, <laughs> ouais. j'ai demandé à, à Apple oui. ce qu'ils en pensaient alors moi en tant que Tim non non non, <laughs> non j'ai demandé à Google qui disent que ils mettent tout en œuvre pour le rendre disponible dans le plus de pays possible voilà oui voilà, alors donc, a, genre, après genre, la bonne réponse de bois non mais à part des contraintes à part des contraintes de production parce que la France effectivement euh, c'est un gros marché euh, donc peut-être des contraintes de production, peut-être qu'ils veulent aller euh, ouais, chez les opérateurs s'ils n'y arrivent ouais. pas, je ne sais pas. Ouais. Voilà. Mais euh, c'est bon. très frustrant. Mmh. Voilà. Vous savez quoi, on en parlera demain dans De Quoi Je Me Mêle, ça sera notre gros débat euh, de demain dans De Quoi Je Me mêle. Ça, ça va saigner. Ça va être chaud. Merci Raphaël. Eh ben, merci à vous. Voilà, euh, et dites-nous un petit peu ce que vous en pensez, euh, n'hésitez pas à réagir, à la fois sur Youtube vous êtes nombreux, et euh, sur euh, Twitter avec le hashtag 01 live. Yes, bon, François, on passe à autre chose. Euh, je te propose Allez. de parler de voiture. Pourquoi pas Parce que moi je suis allé me promener euh, en début la de semaine en ce, moment, hein. je ouais. sais pas ce qui t'arrive. Non mais écoute, chacun son truc. Toi tu étais ah, ouais. à Aix en Provence il y a pas longtemps. C'est vrai. Moi je suis allé à Oslo lundi. Écoute, ouais. euh, fait Oslo. Moins beau, je pense, non Écoute, s'il euh, faisait pas trop mauvais. C'est vrai Non non, je connaissais pas du tout, c'est un seul bon, voilà, c'est une grande ville, je te dis pas que je meurs d'envie d'aller y habiter <laughs> mais euh... non, c'est sympathique. Pourquoi Oslo il y a un Parce que en plus. Est... Oui, il y a un tramway absolument non, non, c'est une grande et belle ville. Et c'est surtout, ça c'est l'opéra d'Oslo. Oh, ouais. Et c'est surtout une ville, on le voit là, euh, qui est super équipée en voiture électrique. Il y a des parkings entiers, ah, comme zombie, ici, hein. où on peut recharger sa véhicule électrique, son véhicule électrique. Alors je peux vous dire qu'il y a de la Tesla en voiture en voilà, évidemment. Euh, du taxi, Tesla, ou pas non, etc. Je n'ai pas vu beaucoup de Zoé. Mais j'ai vu des Nissan Leaf, ah. la, 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 le véhicule électrique de Nissan. Et en fait, Nissan qui présentait donc la nouvelle version de Salif. Alors, c'était la présentation européenne, sachant qu'elle a été lancée mondialement et dévoilée véritablement un peu plus tôt au Japon. David Noguera, euh, je crois que tu y étais. Tout à hein, fait. Voilà. Euh, on n'a pas pu encore l'essayer, mais on a pu la voir. Elle a certains atouts. D'abord, l'aspect voiture électrique elle-même. La, la nouveauté, c'est que l'autonomie augmente. Et on arrive à une autonomie annoncée de 378 km, selon la norme NEDC. Donc, on peut dire kilométrage, Attends. autonomie réelle. Excuse-moi, parce que je, je suis en train de regarder les oui. images en même temps que toi. J'ai vu deux prises électriques. Ah, j'en étais sûr. Sur le devant <laughs> de la voiture. J'étais euh... sûr qu'il allait réagir. Ça, alors, deux prises électriques, mais... j'ai jamais vu ça. Tu as l'œil. Il a l'œil. Hein. Ouais, ouais. Ça se voit quand même. Bien sûr. Alors et, et pourquoi il y a deux prises Pourquoi il y a deux prises électriques Parce que c'est la recharge normale et la recharge rapide. Or, Nissan a un protocole propriétaire pour la recharge rapide n'appartient qu'à lui qui s'appelle le mode Chademo, le chat démo le chat des mots et donc effectivement euh, ça passe par deux circuits parce que l'un c'est du courant alternatif l'autre c'est du courant continu alors sur des véhicules très haut de gamme par exemple chez tesla qui a également cette problématique les deux sont intégrés tu n'as qu'une seule prise et la dérivation se fait derrière chez nissan attention on parle d'un véhicule qui est quand même on va dire c'est un peu s'il est un petit peu plus euh, un tout petit peu plus, haut J je veux pas te vexer, mais un tout petit peu plus haut en gamme que la Zoé Non, mais, tu mais On est pas. très très loin de la Tesla, il par fait, exemple. Euh, non, mais alors là, il n'y a pas de problème. C'est une, une, une construction de gamme. Hein. Ouais, c'est une petite citadine 5 places, c'est ça C'est. Ah euh, oh non, c'est pas, ouais, pas, petit... depuis... pas une petite citadine. Comment pas à dire n'importe quoi Une ville, c'est pas une petite citadine, c'est une grosse bagnole. Non, elle n'est pas grosse, <laughs> mais c'est pas grosse. C'est, c'est. Non, attends. Écoute le spécialiste. On est au delà. Euh, non, c'est pas plus gros qu'une Golf. On va être sur le même segment qu'une ouais, Golf. C'est pas une petite cité C'est une voiture qui a quand même bien grandi, mais qui c'est aussi. Non, elle euh, elle elle côté elle est pas aussi grosse que tu crois. Oui, mais elle, elle est ce pas. Est pas, pas une petite non, on n'est pas sur de la. On n'est pas sur de la Zoé Ne t'énerve pas. Elle ne t'énerve pas. Mais, mais tu as raison. Mais qu'est-ce qu'il est, -ce qu est, on est... en ce moment Non, mais ça ne C'est rien, on peut rien. Le dire C'est la Zoé Non, mais ils le reconnaissent Il va sortir en France. Parce que si c'est comme la Google Pixel, je quitte ce plateau tout de suite. Après, c'est pas. Elle va sortir en France. C'est pas. C'est pas non plus un véhicule qui est euh, immensément ça reste un véhicule qui est tout à qui peut tout à fait pratiquer euh, mmh. la ville euh, qui doit faire 4 mètres euh, 4 mètres 10, 30 quelque, ou 4 quelque 4 chose ou un, ouais, coup, un truc mètres, comme ça ouais, 4, 4, ouais, 4 j'ai pu voilà. toutes les infos alors, alors, elles oui. sont déjà sur 0 sur de toute façon mais effectivement elle c'est quand même surtout la, la vraie amélioration en plus, c'est le côté. Regarde les deux prises que, là. Voilà, voilà ça. Ah oui. Mais ces bornes, CHAdeMO, mmh. Alors oui, c'est vrai qu'il y a deux bornes, mais Nissan a quand même un, un réseau de bornes de recharge qui est assez impressionnant. Ils ont le Charge Pass. Quand on a ce, cette carte, on fait son plein un mmh. peu partout gratuitement. Et euh, y compris dans les euh, certains magasins de meubles comme Ikea ou alors chez Auchan. Mm -hmm. Et ça va très très vite. c'est vraiment une, un système de recharge rapide qui, qui fonctionne bien. Ah bah oui, c'est 80% en 30-40 minutes. En, voilà, c'est ça. En, alors, les tu ouais. vas te régaler là. Vous savez Donc, ce que ça veut dire Ça des oui, ça vient. Enfin, moi, je. C'est un truc du japonais C'est ouais. la pause ouais. thé en fait. C'est le tea time japonais et c'est le temps qu'il faut pour préparer le thé pour voilà. le boire. C'est ça, c'est voilà. le, c'est effectivement. Je, je savais que c'était <laughs> un truc dans ce genre-là. Donc, euh, donc voilà, donc. Moi, j'ai pu rouler euh, dans cette voiture et euh, je pense pouvoir dire que ça risque d'être ma prochaine voiture. Alors autant <laughs> vous dire que voilà. depuis hier, ça papote <laughs> hein, dans, dans les bureaux. Ouais. Ah là là, la nouvelle livre, elle est tellement bien, je vais l'acheter, etc. <laughs> Combien ça coûte, etc. Machin bidule. Donc alors, là, comment je ça est financé, truc Il voilà. voilà. y, y a un intérêt autour du. Non, alors elle a aussi vrai. un autre intérêt, c'est qu'on voit descendre sur ce véhicule qui est encore une fois quand même du milieu de gamme. Hein. Ce n'est pas du ouais, top top level. Hein. C'est pas une grosse oui, Audi, c'est pas une Tesla, c'est pas voilà. On voit descendre des technologies qui, qui, évidemment, nous nous plaisent ici à net euh, C'est-à-dire, euh, c'est une voiture autonome de niveau 2. Alors, vous allez me dire, niveau 2, ce n'est pas top, top, sachant qu'il y a 5 niveaux. Mais, mais c'est déjà pas mal. Hein, mais c'est déjà 2, hein. pas mal. C'est le régulateur adaptatif, c'est le maintien dans la file. Alors, attends, explique-nous le régulateur adaptatif. C'est-à-dire que tu es sur l'autoroute, ouais. tu le règles. Tu le dis, je veux rouler tout le temps à 130. Il y a une voiture qui est devant, qui freine, qui tombe à 110. Et bah, la elle, tienne, elle, elle ralentit, elle ralentit aussi. Regarde, ouais, voilà, c'est voilà, ça. Donc, elle ralentit, elle la voiture se dégage, elle réaccélère. Le maintien dans la file, c'est si tu mords un peu sur le côté, elle te, te gifle ramène. pour que tu, tu <laughs> reviennes dans le droit chemin. <laughs> voilà. ah oui, pardon, Il y a la ça. détection d'obstacles. Ouais. Voilà, tout ça, ça s'appelle ProPilot. Euh, chez, 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 Effectivement, chez, chez, chez Effectivement j'ai pas tout ça dans ma Zoé. Mais c'est là où, évidemment, c'est ça qui est intéressant. La prochaine Zoé aura des choses comme ça. Non, mais c'est une descente en gamme des technologies de base vraiment de base de la voiture autonome ils ont encore un truc qui s'appelle la e c'est quoi c'est la possibilité de conduire la voiture avec uniquement la pédale l'accélérateur c'est à dire que tu accélères et puis dès que tu cesses d'accélérer elle ralentit ça c'est le cas sur toutes les voitures ouais. électriques mais si tu lèves le pied carrément elle freine elle actionne le frein donc en fait si tu actionnes ce mode tu peux choisir de ne pas l'utiliser mais tu peux euh, véritablement piloter avec un seul pied et récupérer du coup euh, pas mal d'énergie euh, et en plus à chaque fois on coup. récupère de l'énergie ouais, ouais, tout à fait voilà, non pour elle pour est assez ça, séduisante alors elle sort quand et à quel prix tiens elle sort à partir du début 2018. Euh, et le, pour l'instant, on n'a pas tous les prix parce qu'il y aura évidemment toute une gamme, mais mmh. le modèle qui a été présenté là, qui, euh, qui est un peu le top au niveau techno, mais sans doute pas le... Il y aura mieux en termes de finition, il est quand même à 36 990 euros. 36 990 euros. Ouais, C'est nice. une série limitée oui, qui s'appelle la 2.0. Bah, finalement, on parlait de Tesla, mais la modèle 3 sera à ce prix là à peu près en France. Oui. Hein Déduction. de bah, tu, tu 6 000 euros là ou pas non. Non non non. Donc ça sera bonus, y un peu moins cher. Oui, parce que je pense que Tesla, il y a des chances que ça avoisine les 40 40.6 34. Là on sera on Il y a 4000 euros d'écart. Bon, alors évidemment, c'est beaucoup d'argent mais Mais laquelle Parce que Tesla Model 3, est-ce qu'on a l'autopilote Après il y aura il y aura Est-ce qu'on a l'autopilote L'autopilote euros. et puis il y aura les capacités de batterie etc. Il Faudra voir, ce qui est sûr c'est que cette Leaf moi je l'ai vraiment trouvé vraiment sympa, un comportement routier vraiment sain, belle voiture. Et en plus, il y aura un peu plus tard une version avec une plus grosse autonomie. Donc euh, oui, voilà. là. Très bien. On voilà. va rester dans le monde des véhicules connectés et des véhicules high-tech, on va vous parler maintenant eh bien d'un grand rendez-vous que vous retrouverez dorénavant toutes les semaines sur ZéroNet TV jusqu'à la fin octobre. On va vous faire découvrir le prix de la voiture connectée, dont l'instigateur est là, oh mesdames, messieurs. Ouais, moi. On, on pourrait presque l'applaudir, c'est David Nogueira. <laughs> Bravo Oh là là. Merci. Il faut vraiment qu'on la mette voilà. cette webcam. Il si <laughs> y a les Oscars hein, en termes de grands rendez-vous médiatique Et maintenant, ouais. maintenant depuis peu. Enfin, et depuis quatre de ans, de c'est le prix de la et voiture oui, connectée. Voilà, qui euh, donc euh, bah, débute en quelque sorte aujourd'hui avec ce zéro en live. Tout à fait. Et durant les trois semaines qui suivent, tu vas venir nous parler chaque semaine, et eh bien des trois prix. Qui vont être décernés à l'occasion de cette remise des prix qui sera se aussi d'ailleurs sur 0net TV. Exactement. Trois prix euh, prix de la voiture connectée, véhicule de l'année. Voilà, le prix de gros. Ça c'est le gros prix, c'est euh, la voiture qui va embarquer la bonne techno, au bon tarif, etc. Il va y avoir le prix coup de cœur du jury, qui va être euh, le véhicule qui va être euh, sur un tarif plutôt raisonnable mmh. et qui va avoir la bonne idée du constructeur qui nous a plu euh, ça, côté bien. jury. Ouais. Et on a. Le prix euh, du luxe high-tech, et là c'est euh, le prix qui vend du rêve avec des voitures à des tarifs stratosphériques, mais qui font euh, papa maman et qui en plus intègrent des technologies cette fois-ci pour certaines de euh, vraies délégations de conduite avec des choses vraiment impressionnantes. Donc pour cette première semaine, on attaque avec le Grand Prix de la voiture connectée avec les voitures qu'on va, qu'on a sélectionnées en fait avec nos quatre membres du jury. Donc il y a trois pour l'instant. Trois hein. finalistes en fait, c'est trois finalistes. Pour, trois, pour euh, trois prix, donc neuf véhicules. La tension est terrible. Voilà. Et on commence donc par ouais. la première catégorie, prix de la voiture connectée Volkswagen Polo, Seat Rona et Toyota Prius. Voilà, donc euh, des véhicules qui sont euh, accessibles à tous, dont euh, donc, euh, Polo qui est quand même. Euh, qui, en fait, Polo illustre ce qu'on voit se répéter un petit peu sur euh, tous les schémas, y compris euh, sur les véhicules premium c'est la descente en gamme des technologies qui ah, existent. Oui, ouais, ouais. enfin, ouais, elle a, a grandi. Aussi, elle a bien grandi, fond. elle a pris 8 cm pour le coup, mais ils sont toujours sur la barre des 4 mètres et donc ils sont toujours sur ce segment euh, qui appartenait déjà à la Polo et avec un intérieur qui est intégralement numérique. C'est-à-dire qu'on avait Audi Virtual Cockpit, c'est arrivé sur les Volkswagen Passat, etc. Mm. Et, et ça maintenant, descend jusqu'à la cest dire que c'est un peu la citadine la plus high-tech du moment. Là, on est sur un, sur un sacré bijou technologique, vraiment. Donc, très vol vol rapidement, ouais, Volkswagen polo. polo, la Seat euh, Arona qui, euh, alors toutes ont euh, différents points forts, mais ce qui, ce qui, la chose qui nous a euh, interpellés sur Arona, c'est l'arrivée de Alexa, on en parlait hier soir, les assistants vocaux, et eh bien Alexa débarque l'assistant personnel d'Amazon sur SEAT Arona, et du coup ça permet d'avoir de, des petites interactions, moi je l'ai vu à quoi, France un SUV, là, Arona. donc là Arona c'est un SUV, donc euh, en plus une catégorie qui fait euh, plus mmh. 30% euh, mmh. tous les ans, et là en plus elle est dans une nouvelle catégorie de SUV, puisque c'est le fameux SUV urbain, tous les constructeurs quasi sont en train de s'y mettre, c'est le petit SUV euh, pour la ville, euh, Citroën C3 Aircross, est Stonic, et donc SEAT Arona, et vraiment euh, moi j'ai une petite démo et avoir Alexa dans sa voiture bah, c'est pas mal, c'est quand même euh, interagir mmh. à la fois avec sa voiture et puis bah, quand Alexa sera disponible en France, parce que là on se part sur quelque chose qui arrivera dès 2018, et eh bien on pourra piloter sa porte de garage etc. Donc on peut imaginer à partir du moment où on a Alexa dans sa voiture, plein plein de choses puisque plein de constructeurs vont euh, s'allier à cet assistant. Et le dernier véhicule qu'on a retenu c'est Toyota Prius. Alors euh, côté design c'est vrai que Toyota, la Prius elle a pas toujours l'unanimité, mais il y a eu un petit restylage qui est pas mal. Et surtout, elle a un panneau solaire sur le toit. Alors, vous n'allez pas refaire le plein en 10 minutes en vous arrêtant au soleil et en allant boire un café. Mais c'est génial. Mais c'est pas une 100% électrique, c'est toujours une hybride. C'est une hybride rechargeable. Donc, on a une batterie. Tu servir qu'en électrique si tu veux. On peut s'en servir qu'en électrique, puisque alors, dans la limite des 50 km d'autonomie annoncées. C'est-à-dire qu'on a une véritable batterie de 8 kg dans le, dans le véhicule euh, et ah on ouais, peut kilos, refaire on peut non c'est pas énorme on peut refaire le plein euh, de cette voiture sur secteur ou alors en roulant et du coup ce panneau solaire eh bien, va apporter une Troisième source, alors c'est pas énorme. Toyota annonce 1000 km à l'année, mais c'est 1000 km. On, bah, pourquoi s'en priver Surtout mmh. euh, que bah, dans 80, 80 hein. du temps, le véhicule est arrêté. Évidemment, si c'est dans un parking oui, ça nous plus, dire que s'il fait est très 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 un... beau, je vais pas rouler grâce au panneau photovoltaïque. Non, non, mais euh, ça c'est une évidence. Par contre, c'est un, un bonus. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est que ce panneau photovoltaïque. <laughs> Il faudrait un panneau qui, ça, qui se déplie là. Oui. Un truc de 25 ah, enfin, ouais, mètres. Il ouais. de... y en avait Il y a eu des constructeurs qui ont mis des. Ou alors un ballon accroché à la voiture. Il y a eu des constructeurs qui ont mis des panneaux. Solaire sur leur véhicule. Euh, je pense à Audi, par exemple, qui en avait un dans son toit ouvrant, mais ça servait à alimenter une petite batterie qui alimentait, par exemple, la climatisation. Je voulais 20 degrés en arrivant le matin dans ma voiture, et se, elle puisait là son, son énergie. Là, elle, alimente une, elle stocke dans une batterie qui alimente la batterie principale. Et donc, c'est vraiment pas mal. 1000 km à l'année, voilà. enfin, c'est en moyenne. Donc, euh, si on habite. Euh, dans des villes ensoleillées, on stockera peut-être plus, et dans le nord, bah forcément, ça sera peut-être moins. Ouais. Voilà, donc ça, c'est notre ce troisième génial, prix. C'est qu'on peut imaginer que dans quelques années, peut-être dans dix ans, on aura une voiture avec beaucoup plus de panneaux eh photovoltaïques. Oui, si on arrive à avoir un rendement supérieur, et améliorer exactement. le rendement pour ces technologies, pas, avoir plus d autonomie. D autonomie. Mmh. Ça serait quand même. Imaginez une voiture, c'est serait serait tellement logique. logique, tellement logique, ça serait bah euh, euh, incroyable. C'est c'est le, le développement, enfin c'est énergie. Euh, renouvelable, c'est voilà, pourquoi se priver de... Donc, donc voilà, donc ces trois véhicules. Euh, donc il n'y en a aucun qui est électrique à 100%. Hein. Il n'y en a non, aucun qui est électrique à 100%. Euh, et donc, donc l'un des trois remportera le prix, le prix de la voiture connectée Exactement. Euh, de cette année. Le calendrier, donc la semaine prochaine, tu viendras nous parler octobre. de la deuxième catégorie. Oui. Tout à fait. Après troisième catégorie. Et la oui. semaine d'après, un live spécial. Sur 0 TV, où on remettra en fait, eh bien euh, les prix à, aux gagnants. Exactement. Voilà. Parfait. Merci David. Merci, Merci David. Bon, on est super en retard, François, comme d'habitude. C'est pas grave. Euh, avant la suite de Zero Live, peut-être un coup d'œil sur la question 0Net Orange. Mmh, Qu'on n'a pas oublié. Le petit sondage du jour. Euh, le petit sondage du jour. Êtes-vous très énervé, très déçu que les smartphones Pixel 2 et Pixel 2XL de Google, annoncés hier soir, ne sortent pas en France, puisque euh, ben voilà, a priori, pour l'instant, ils ne sortent pas en France. Oui, déçu à 61%. Logique. Voilà, vous pouvez continuer à voter. On fera un point tout à l'heure. Bon, j'ai voté. Hein. Ouais. <laughs> Toi je sais pour ce que as, pourquoi tu as voté évidemment. Juste à moi encore, euh, puisqu'on parle du prix de la voiture connectée, sachez que si... Alors évidemment vous allez pouvoir euh, participer à, à l'élaboration de ces, de ces trois gagnants. En hein. fait, c'est un, voilà, un pronostic. On a ces véhicules, on publie les articles on, et on propose aux gens mmh. de faire leur pronostic sur est-ce que quel sera et le y véhicule Il y, y aura un cadeau, cadeau à gagner. Hein. Exactement. On gagne un petit coyote. Le petit navigateur Coyote que vous installez Là dans votre voiture. Exactement. Est-ce est que, que je peux 0. faire une petite 0. précision sur le sujet voiture Oui, allez. On a Joli57 sur Twitter qui nous dit « À quoi va servir le permis de conduire avec les voitures connectées ?» Alors attention, il faut remettre les, les choses dans l'ordre. Voiture connectée, ça ne veut pas dire voiture autonome. Et non. Voiture connectée, ça veut dire qu'elle est, est super high-tech, elle est interconnectée avec votre smartphone, elle a plein de fonctions numériques. Autonome, ça veut dire qu'elle roule toute seule. Électrique, ça veut dire qu'elle roule sans moteur thermique. C'est trois briques différentes, hein. Précision faite. On va parler de mobilité dans un instant avec Christopher Sémini qui est venu avec sa petite trottinette. Connecté et électrique. Voilà, ça c'est cool. Euh, mais dans un instant, direction le labo. C'est tout de suite. D'ailleurs, on va vous faire découvrir une espèce de robot roulant qui fait projecteur. Et n'hésitez pas à réagir avec le hashtag 01live ou alors sur le chat de YouTube, euh, très actif comme chaque jeudi soir. D'ailleurs, on vous remercie euh, de nous suivre sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la page de 01 TV si ce n'est déjà fait. Il suffit de cliquer, vous vous abonnez. Comme ça, vous serez au courant de toutes les notifications et de toutes les dernières vidéos que nous postons. Il y en a euh, plusieurs évidemment par jour. François, tu es un addict euh, de la vidéo. Hein, des séries, oui, euh, tout vrai. ça, des clips, etc. Ouais. Tu aimes regarder des vidéos dans toutes tes pièces. Oui, en mais fait, tu ne peux pièces, pas euh... forcément, euh, bien que tu sois immensément riche, tu peux pas installer des téléviseurs partout. <laughs> non, c'est vrai. Eh <laughs> bien, la solution, c'est le projecteur qui transition, qui se, se promène, tellement naturel en plus. <laughs> <T> as, <laughs> as vu ça, 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 ça. Je te l'ai amené. <laughs> voilà, c'est ça. Voilà. Donc la Regarde, qu'est-ce qu que c'est que ça Mais je ne sais pas. Ça ressemble à rien déjà. Non, pas du tout. C'est joli. Je plaisante. C'est très joli. Je plaisante. C'est mignon. C'est un œuf qui parle. C'est un œuf qui moi. roule. Non, mais le Google Pixel m'a énervé. Oui, voilà. C'est kicker. C'est kicker. C'est une invention française. C'est un vidéoprojecteur et une enceinte connectée sur un robot. Enfin, robotisé. En fait, si vous voulez. Imaginez un aspirateur robot parce que c'est ce qu'on connaît déjà. Ouais, euh, non. Il, il fait aspirateur aussi Non. Non, alors il fait pas aspirateur. Il, il, dommage. Il le bout de exactement. C'est ce que. Et donc, euh, que... <laughs> il se promène dans la maison et il permet de regarder des films un peu partout. Tiens, pour comprendre la philosophie du truc, écoutez euh, les explications du, euh, <laughs> <de ce robot. rire> du, du, du créateur, du, du start qui a mis au point ce robot. La philosophie de Kicker, c'est vraiment de simplifier la technologie au global dans la maison, euh, avec euh, une solution un peu euh, grand format pour du son, euh, des écrans, euh, des caméras et des capteurs qui se déplacent avec nous plutôt qu'il soit fixe dans chacune des pièces. C'est vraiment familial, donc c'est quiconque a une maison et un canapé, une chambre et veut avoir une solution multimédia. Donc c'est souvent tout le monde en fait qui regarde la télé, qui écoute de la musique. Et le but, c'est de pouvoir le faire très simplement, où qu'on soit dans la maison. Et avec la même qualité. On peut lui parler, on n'a pas des conversations avec lui comme si c'était son ami. On va être plutôt comme un rapport avec un animal domestique où on va lui dire va dans la chambre, allume la télé, monte le son, baisse le son, change de programme, va te charger. Des commandes assez simples, mais qui sont très fonctionnelles et très utiles parce que du coup, on peut faire ce qu'on veut avec son robot, où que ce soit, qu'on ait une application ou pas, sur son téléphone. Voilà. C'est audacieux quand même, ouais, c'est ambitieux. C'est rigolo parce qu'il y a deux ans, tout pile, tout pile, mm. on avait présenté ce, ce concept Exactement. Euh, au CES Veil et on avait reçu ce monsieur qui nous expliquait bah, voilà, euh, le, le projet qu'il avait. Et on, il avait déjà un prototype qui roulait, tu te souviens On oui. l'avait euh, dans le studio. Donc là, ça sort. Ça sort, c'est commercialisé de cette, à partir de cette semaine. Euh, vous voulez savoir combien ça coûte Oui, moi j'aimerais bien. bien. Euh, ça sort bah, en France. Ça déjà. dit, un projecteur, ça coûte cher et un robot ça coûte cher le... oui ouais, ouais. Il... Ouais, alors attention mais vous pouvez payer en 10 fois 100 frères hein. non ne vous inquiétez ouais, moi, pas C'est la pas, carte du magasin j'ai pas d'action <laughs> dans, dans, dans la boîte hein. non c'est euh, 1790 euros hop hop hop, mais, hop 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 ouais mais cela dit moi, je trouve pas ça euh, à peine plus cher qu'un iPhone 10 je veux dire. à peine plus cher qu'un iPhone 10 comme ça mais dire, attends ça a la forme d'un ballon et ça s'appelle kicker forcément envie de shooter là dedans on est d'accord pourquoi ce nom tu shootes là-dedans, euh, non c'est un peu gênant. Kicker. Bon alors, a, alors moi il y a un okay. truc qui m'a un peu j'aurais une raison, petite ouais. question, le projecteur il est bien full HD. <rire> <rire> non, ça c'est la version à 8792. Et, non. 792 Et non bien sûr c'est va... ce que, ce que j'allais dire, oui oui non c'est un peu ça le problème, c'est du 720p. Ah d'accord. Tu sais combien coûte un projecteur 720p aujourd'hui Combien on te le balance à la gueule à 300 euros, 400 euros. Notre spécialiste peut nous le dire là, David. On est d'accord. Et tu mets sur un tabouret à roulette. Voilà, c'est ça. Mais non, comme ça sur ta trottinette, Tu vas nous parler dans un instant. Vous dites n'importe quoi. Attendez, il y a de la technologie, il y a du savoir-faire français là-dedans, il y a de l'imagination française. Exactement. Là, on taquine un peu Monsieur Kicker, Mais bon, quelques centaines d'euros en moins, ça aurait été bien, non non, c'est dommage qu'ils ne soient pas full HD, je te l'accorde. Mais je pense qu'ils ont fait des arbitrages financiers, est ça leur a coûté trop cher. Et bon, euh, alors ils estiment qu'on euh, ne voit pas trop la différence sur un vidéoprojecteur. Bon, ouais, c'est David sûr. Noguera qui fait la moue, je pense qu'il a raison. Sinon, c'est également une l enceinte audio. L'argument, au du... tu sais, mais, mais on ne ouais. voit pas la différence. <laughs> Et ce qui est amusant, c'est qu'il cartographie carrément l'appartement quand il arrive, et après il peut se balader, et on peut lui demander ⁇ va dans la chambre, viens ici, etc. ⁇ Alors ce n'est pas un assistant vocal, mais il est compatible avec Google Home, Amazon Echo, et donc on peut le connecter par exemple avec Google Home, et on s'adresse à Google Home, et on lui dit ⁇ appelle Kicker ⁇ ou ⁇ fais venir Kicker ⁇ et à ce moment-là... Le kicker euh, rapplique. Euh, bon voilà. L'inconvénient, c'est qu'il faut un mur blanc. Enfin, la contrainte, c'est qu'il faut un mur blanc ouais, ou alors ça. le plafond. Ouais. Regardez la télé. enfin tous les murs blancs ou le où kicker peut aller. Enfin, blanc ou blanc ou, ou, oui. ou gris clair, ça, ça passe aussi. Gris ouais. clair, ça passe aussi. Voilà, kicker, parfait. Ça vient de sortir. Euh, et on va terminer par Chris qui alors Christopher Simili. Bonsoir est moi, mon grand. Bah, bonsoir, euh, bonsoir, te bonsoir à tous. Christopher Simili euh, qui est venu euh, avec sa trottinette euh, ouais. électrique. Moi je suis. Diamétralement opposé à ce que vient de présenter euh, Jérôme. Mais voilà pourquoi donc Non, mais ça, bah oui, même il, a, il, a, il, a il a le droit de s'exprimer. Ah j'adore le produit, mais je veux dire, ce que moi, je veux, ce dont je vais vous ah parler oui. moi aujourd'hui, c'est à l'opposé de, 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 de ton kicker. Ça n'a rien, à voir. ça se passe à l'extérieur déjà. Déjà, ça se passe à l'extérieur. Ça à deux roues, un truc qu'on a peut-être trois 4. quatre. Bon. <laughs> Bref, et surtout, euh, ouais, J'ai testé, euh, testé cette euh, trottinette qui s'appelle la M 365 qui est construite ouais. par euh, Xiaomi. Xiaomi, c'est une marque que vous devez peut-être connaître. Enfin, ceux qui suivent de près le marché de, du smartphone connaissent bien cette marque. Et leur, leur ADN, c'est un peu de faire des produits très beaux, très bien équipés, très bien spéqués, à des prix euh, très bas. Et euh, Xiaomi est vraiment en train de Pas devenir comme un... C'est <laughs> pour ça je qu disait qu'on était un peu dans un autre, dans un autre ADN. Mais euh, Xiaomi en Chine, c'est une boîte qui a seulement euh, 7 ans et est en train de devenir un énorme, une énorme boîte un peu à la Samsung. Alors pour ils ce qui ne savent pas, Xiaomi ça s'écrit Xiaomi. Hein. Oui Xiaomi, voilà exactement. Tu fais bien de, de le préciser. Mais ils font euh, des, des autocuiseurs, des robots euh, cuiseurs, ils font des baskets connectées, ils font des bracelets connectés. Et donc a priori c'est plutôt des produits de qualité. Des produits de qualité. C'est pas le truc voilà. tout Et ils font ouais. maintenant des trottinettes, donc cette M365 que j'ai euh, débusquée sur un shit. Un shit. Un shit. <laughs> Mais, mais qu'est-ce qu'il raconte Sur un site, un site spécialisé là, 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 dans, dans, dans l'apport de, la, la euh, de produits chinois. produits euh... euh, chinois. Non, bah, <laughs> ne... non. non mais Chris, oh euh... t'as dérapé, non, forcément ouais. c'est normal que tu t'en prennes un peu. Oui, hein. oui non, il n'y a pas de problème. Donc, euh, Donc cette rotinette est géniale, site... voilà. Euh... Merci. <laughs> voilà, mais non, ça s'arrête là Mais non, c'est une blague. Mais non Cette rotinette, bon j'ai mis un petit moment à la recevoir, 30-40 jours. Euh, mais j'étais hyper surpris par le, la qualité de finition de, de, de ce modèle. Mmh. Elle a une batterie qui permet de, de, de tenir jusqu'à 30 km, donc sans, sans, sans la recharger. Et on file à 25 km heure. Franchement, 25 km heure, ça paraît pas beaucoup, mais quand on est sur cette trottinette euh, dans, les, dans les couloirs de, de, de les, les pistes cyclables euh, à Paris ou les trottoirs, ou les trottoirs, c'est en fait, un peu flou. Franchement, on 25 km/h, ça bombe c'est pas, pas mal. Euh, belle impression de, de solidité de... et ce qui est intéressant, c'est les grosses roues parce qu'on a déjà testé ici des, des trottinettes avec des roues un peu plus petites. Mmh. Et c'est vrai qu'au moment de franchir les, les trottoirs, c'était un peu compliqué. On y allait un peu, bon, euh, à reculons. Là, franchement, on peut y aller euh, vraiment franchement et c'est hyper sympa. Alors dites un prix pour cette trottinette. Ouais. Alors, juste, ouais. Thierry sur YouTube qui nous demande quelle est l'autonomie de cette trottinette. Alors, euh, Thierry, euh, bienvenue. Tu viens de nous rejoindre ouais. parce que j'en ai parlé il y a deux secondes. Thierry. Bon, <laughs> euh, non, non, c'est bon. Euh, de le 30 km. 30 km. 30, 30, 30, 30 km. Franchement. Alors ouais, euh, moi, je l'ai essayé aussi parce que tu me l'as prêté oui. là, euh, et je me suis régalé. Mm. Je me suis régalé. Même dans une côte, elle a réussi à... Euh, elle ton poids, elle a, euh, a réussi à ah, soulever en fait. mon, mon poids de danseuse. Ouais, euh, mais elle, elle est, elle est ouais, assez ouais. surprenante. Hein. Elle a, bon, je sais pas ceux qui, a, ceux et d qui d Paris... <laughs> voilà. des gigares, hein, Et d'ailleurs, j'en ai acheté une. Non, mais si, ceux qui connaissent, <laughs> par exemple, la rue Saint-Jacques à Paris, qui est une rue que les cyclistes détestent parce qu'elle monte euh, quand même pas mal. Et, et là, franchement, on est, on est euh, vraiment tranquille sur la trottinette. D'ailleurs, une petite anecdote. Je rentrais euh, près de chez moi, donc euh, une rue. Euh, à Versailles, euh... donc un château. <laughs> oui, C'est ça. Et euh, donc je, je trace sur la trottinette et il y avait un cycliste à côté de moi, lui il était en train de pédaler comme un fou, comme un fou. Et on allait vraiment à la même vitesse, <laughs> moi j'étais peinard. Et il me regarde, et il me fait, bon c'est quand même énervant. Hein. <laughs> et, je fais, euh, ouais. Bah ouais. et ouais coco, et, et là et accéléré, ouais. tu l'as doublé. Ouais, désolé. Mais bon, super, super bon plan. La trottinette, elle a 370 euros sur le site de, ouais. de GearBest. Et, euh, je ne sais pas s'il si est encore valable. Il bon, faut, faut essayer. Mais il y avait un code promo qui permettait de l'avoir à a 260... sur les... ouais, ouais, sur 270 euros. Ouais. On retrouve une ça sur, sur Zeronet Normalement, non. oui, euh, sur le test. Bon, franchement, je ne sais pas si le code est encore valable, mais euh, 270 euros. Alors, pour une autre version... Qui euh, avait un peu moins d'autonomie, euh, 25 km au lieu mm, de 30, mm, mais 25 ça reste quand même pas mal. Mais 270 euros pour une trottinette de ce niveau bien de fini. Bien ouais, fini voilà. Avec ce niveau de finition, euh, hein franchement c'est. Bon, il faudra voir bon si coup. elle tient le coup sur la durée, etc. Ouais, mais Et moi ça, je on vous dira, plus moi la, tu as donné je le, le poids, plus. parce qu'on te demande le poids sur YouTube. Elle, elle pèse, euh, pèse 12,5 kg. Elle est un petit peu plus lourde que d'autres modèles, je crois. Franchement, c'est dans la moyenne. Ouais. C ouais, ouais les, les autres trottinettes qu'on a, qu a testées, elles faisaient pas ce y a là plein de et c'est la batterie surtout qui... Les trottinettes électriques, il y, a vraiment, il y en a beaucoup, ouais. c'est pas forcément facile de faire son choix, mmh. et euh, les critères c'est quand même la, la robustesse, la ouais. solidité, l'autonomie également. Et euh, franchement, dans beaucoup d'autres magasins... Et la taille des roues. Et le freinage, le freinage à, disque à disque Et dans beaucoup d'autres euh, magasins, pour avoir une trottinette de ce niveau de qualité, on est plutôt autour de 800 à 1000 euros. Ouais. Ouais. Mm -hmm. bah vraiment, c'est assez spectaculaire comme. Euh... Bonne affaire, donc. Ouais, ouais, bonne affaire. Parfait. Bonne Merci affaire. beaucoup, Christophe. Et, hein. ben moi. et bien voilà, ce 01 Live est terminé. Peut-être un dernier petit détour du côté de notre question 01net Orange. Mais avec plaisir. Parce que tout à l'heure, jamais... nous parlions des Google Pixel. Vous savez, ces smartphones Google qui ont été annoncés et qu'on vous a fait découvrir en direct lors de ce live keynote que nous vous proposions. Êtes-vous déçu par le fait que les Pixel 2 ne sortent pas en France Eh bien oui, à 60%. 60-40. Ouais. N'hésitez pas, continuez à voter. C'est-à-dire qu'il y en a 40 qui s'en qui moquent en fait. Mais ben voilà. ça. Mais peut-être parce qu'ils sont tellement énervés qu'ils ne sortent pas qu'ils disent, ben non, finalement, je m'en <laughs> fous. Voilà, c'est peut-être ça. Ouais. Euh, merci de nous avoir suivis. Ce 01 live est terminé. Euh, on a passé un excellent moment avec vous, comme chaque jeudi. Et on bon. se retrouve jeudi prochain. D'ici ouais. là, vous retrouvez toutes les vidéos de Zéro Net TV, bien entendu. Merci à Pierre Thiolin, Jean-David Duarte et Noémie lefebvre marek qui ont préparé et réalisé cette émission. Voilà, et qui faisaient le chat sur YouTube avec des petits smiles et tout mignon. C'est Noémie qui vous répond <laughs> sur YouTube. Merci beaucoup d'être là, comme chaque jeudi soir. Et on se retrouve très vite sur Zéro Net TV, bien sûr. Salut à tous.